On continue l'expérience cette fois-ci avec mon make-up au congélateur. Entre les pommes de terre et les petits légumes, c'est tout gelé. On va commencer par un sérum base. Moi qui aime pas trop le froid. Ça marche pas. Mais c'est dur. Ça fait plus comme une pâte. J'aurais peut-être pas dû prendre un truc qui souffle comme ça. Vous voyez ce que je vois? Il y a tout congelé autour. La pipette, c'est même pas la peine. Ça marche pas. C'est trop froid. Oh, j'avais oublié le beauty blender. Je prends un glaçon. En vrai, c'est pareil. Est-ce que ça va réussir à tourner? Bon, on va le fixer. Ok, c'est léger. Pour l'anti-cerne, j'ai pas pris un liquide. Il est mat. Les flacons en verre, c'est tellement froid. Tous les produits, ils se mélangent tellement plus simplement ensemble. Blush de chez Rare Beauty. On voit la glace, le morceau que ça fait sur le produit. Oh, ça a bien gelé. Et le mascara, il est carrément blanc. J'ai l'impression que ça a épaissi la matière. Ça s'accroche moins. C'est nul. Et est-ce qu'on se mettrait pas un rouge à lèvres rouge? Hyper agréable. Est-ce que je devrais pas mettre tout le temps mon make-up au congélateur? Mis à part pour les yeux. Celui-ci, on l'enlève.